ומן ראש לשער השני עולה על הכל ומן ראש לשער השני עולה על הכל ראש לשער השני עולה על הכל Et donc on a parlé du principe de la sagesse qui vient, la connaissance qui vient de par l'exemple, si vous voulez, par l'image qui se fixe dans le cœur, et c'est un petit peu le point culminant de l'explication sur la parole qu'on a vue dans toute cette Torah, c'est-à-dire la méthode de la parole. La méthode de la parole divine, en fait, c'est un moyen de fixation de la vérité dans le cœur. C'est ça le principe de la parole divine. Pourquoi dialoguer avec Hachem? Parce que dialoguer avec Hachem, le dialogue, ça se fait à deux. Donc au moment où on parle, on reçoit aussi de Hachem, et la vérité se fixe dans le cœur. C'est tout le principe de la prière, c'est-à-dire on prie pour que la vérité descende dans le cœur. C'est-à-dire descendre, c'est pas que la prière, c'est pas que le fait de la faire descendre, c'est le fait aussi de la fixer dans le cœur, c'est-à-dire que la vérité, elle soit fixée dans le cœur de manière qu'elle puisse repérer si le cerveau, il n'est pas en train de dérailler. Parce que si maintenant la vérité que vous avez, elle n'est pas fixée dans le cœur, alors vous pouvez dérailler complètement avec le cerveau. Il y a des gens qui... Il y a des gens qu'au nom de la vérité, les gens, ils ont bouffé beaucoup de choses dans le monde. Les gens, ils ont massacré des millions de gens, et tous, c'était tous au nom de la vérité. Donc la vérité, c'est quelque chose qui ne veut rien dire si ce n'est pas attaché avec la... la Emouna. Le Zohar dit que le Emet et la Emouna, que la vérité et la foi, c'est quelque chose qui est indissociable. On ne peut pas avoir de vérité si on n'a pas de foi. Parce que la foi, c'est elle qui gère la vérité. C'est-à-dire la foi, c'est elle qui va vous mettre en place toutes les barrières, comme on l'a expliqué ces jours-ci, de la vérité. C'est pour ça qu'au matin de Torah, quand il y a eu le don de la Torah, on est arrivé à quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que la mort avait disparu. C'est-à-dire qu'au moment de Matan Torah, on avait réparé la faute d'Adam Harishon complètement et on n'avait plus besoin de mourir. C'est quand ils ont fait le veau d'or que la mort elle est revenue. Mais quand au moment du don de la Torah, la mort avait disparu. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le son. C'est-à-dire que Hachem, il a fait que l'image et le son, c'était une seule chose. Si jamais l'image, écoutez bien ça, si jamais l'image et le son, c'était qu'une seule chose, jamais vous pourrez vous tromper dans votre vie. Vous vous trompez parce que le son et l'image, ils sont pas synchro. C'est-à-dire que vous entendez des choses, mais vous savez pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a entendre et il y a comprendre la chose, c'est-à-dire vous avez entendu quelque chose, maintenant vous allez l'interpréter ce que vous avez entendu. C'est là où vous allez avoir tout le problème. Mais si vous n'avez pas besoin d'interpréter, c'est fini, il n'y a plus de problème. Si vous recevez quelque chose qui est prêt à consommer, que vous n'avez rien à toucher, vous prenez la chose, jamais vous pouvez vous tromper dans votre vie. Là où vous vous trompez, c'est quand vous mettez votre grain de sel, c'est là où vous vous trompez. C'est parce qu'on vous laisse mettre votre grain de sel. Mais au matin de Torah, vous n'avez rien à mettre, parce que le son et l'image, ils étaient unis. C'est-à-dire que les gens, ils voyaient le son en image aussi. Donc ça y est, c'est terminé. Il n'y a pas interprété. Donc c'était la réparation de la faute d'Adam Harishon. Et ça fait disparaître la mort. Parce que quand Hachem, il dit, regarde... Regarde, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Regarde, je les mets devant toi. Je dis regarde. Ça veut dire que maintenant, ce que tu vas voir, c'est ça qui va faire que c'est une bénédiction ou une malédiction. C'est comme tu vas voir les choses.
comme chacun dit, parce que si vous prenez la vérité, allez, vous prenez la vérité à l'état, disons, primaire de la transmission. Prenez par exemple quelque chose que la Torah nous dit de faire. Par exemple, la Torah nous dit de nous marier jeunes, à 18 ans. Okay? La Torah nous dit de monter en Eretz Israël. D'accord? La Torah nous dit d'avoir des enfants. La Torah nous dit de nous donne des mitzvot. D'accord? Maintenant, parlons de choses qui ont des concepts larges pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire. Maintenant, tout le monde sait qu'il faut se marier. D'accord? Disons, jusqu'à aujourd'hui, maintenant c'est en train un peu de changer, puisque les gens ils se marient avec n'importe quoi, et après ils vont se marier avec des vaches et tout, mais pour l'instant, c'est-à-dire, disons, les valeurs, juste la génération d'avant, les gens ils disaient, bon, il faut se marier. Les gens ils savent ça. D'accord? C'est une connaissance. Mais cette connaissance-là, et son application, elle a des milliards de possibilités d'application. C'est-à-dire, chacun il va vous trouver une histoire. Il va vous dire, non, mais je ne peux pas me marier jeune, tu comprends? Parce que je n'ai pas encore un métier, parce que je n'ai pas encore une maison, parce que je ne suis pas encore indépendant, parce que je n'ai pas de maturité, parce que je n'ai pas rencontré la personne qu'il me fallait, parce que je suis trop jeune, parce qu'elle est trop vieille, parce que mes parents, ils ont besoin de moi. Je peux vous écrire des... Tant que vous... Allez-y, on peut... La liste, elle est non exhaustive. Allez-y, on peut y aller. Mais maintenant, malgré tout ça, une fois que vous avez donné toutes ces explications, pourquoi vous ne le faites pas? Il faut quand même se marier. C'est-à-dire, sauf, il faut le faire. Maintenant, quelqu'un ne monte pas en Israël. Il dit, je ne peux pas monter maintenant. Alors, pourquoi tu ne peux pas monter? Allez, commence, vas-y. Alors, tu comprends, je ne peux pas, j'ai ma vie. Je suis installé, ok. Je dois vendre ma maison, ok. Mes enfants, ils n'ont pas fini leurs études, ok. Ma belle-mère, elle est fatiguée, ok. Mes parents, ils ont besoin de moi, ok. Ok, vas-y, allez. Mais sauf. Si tu arrivais à trouver l'image du mot, il faut monter en Israël. Cette idée-là, si vous trouviez l'image qui correspond à ça, vous montez tout de suite. Comme notre ami Yaakov, il avait demandé à Rav Israël, et, comment on fait pour monter en Israël? Elle lui dit, eh bien, tu montes. Voilà, c'est tout. Tu prends l'avion et tu montes. C'est tout, c'est pas difficile. Attends, mais attendez quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu attends? Alors, notre problème, c'est qu'on n'a pas l'image correspondante à la parole. Tandis qu'au matin de Torah, chaque parole, elle avait son image. Donc vous ne pouvez plus vous tromper. C'est-à-dire que la parole, elle était vivante, puisqu'elle avait son image. Donc vous ne pouvez pas interpréter la parole. Il n'y avait rien à interpréter. C'est comme ça, c'est tout. C'est fini. Tu ne peux plus bouger, parce que comme tu dis à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Je vous l'ai dit, Shlomo Ameler, c'était un spécialiste des exemples. Avec le mot Shlomo, ça veut dire machal, ça veut dire exemple aussi. Le mot Shlomo, ça veut dire aussi exemple. Il avait des dizaines de millions d'exemples, Shlomo Ameler. Parce qu'il avait cette sagesse-là de savoir transformer la compréhension en image. Et quand vous donnez une image, l'image, elle va avec la parole de sagesse, la parole intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Parce qu'en général, le monde, il est fait comme ça. C'est qu'il y a la parole. Et maintenant, l'interprétation de la parole, c'est tout azimut. Chacun, il met ce qu'il veut. Aujourd'hui, vous parlez de la paix dans le monde. La paix. Tous les jours, vous allez trouver dans les journaux la paix, la liberté, le truc, le droit à la vie, le droit à la truc. Mais le droit à la vie, vous savez bien, c'est quelque chose qui est complètement relatif, complètement subjectif. Ça ne veut rien dire du tout. Vous avez des pays où on tue des centaines de gens tous les jours et ça dérange absolument personne. Et d'autres pays où si jamais quelqu'un crie sur l'autre, alors on va le mettre en prison.
C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de notion d'application des idées. C'est pour ça que le monde, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est les images qui sont la traduction dans l'application de la vérité, c'est quelque chose qui peut, vous pouvez en faire ce que vous voulez dans le monde. Alors, Rabbi Nachman, ce qu'il nous donne, Baruch Hashem, c'est que ce qu'il nous enseigne, c'est de la chorma, que Béhémet, cette sagesse-là, elle n'est pas intellectuelle du tout. C'est une sagesse d'image. C'est-à-dire qu'il vous rentre dans le cœur une telle vision de la vérité, une telle précision dans la vérité que vous pouvez pas interpréter. Il n'y a rien à interpréter du tout. Vous avez qu'une seule chose à faire, vous passez à l'action, c'est tout. Vous passez à l'action, vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas de temps à perdre, vous n'allez pas vous tromper. Vous allez directement vers le monde de l'action, parce que vous allez vivre la vérité. Le but, c'est de la vivre. Alors, c'est ce qu'on a vu ici, dans le Yekara de Shabbata, c'est un petit peu ce qu'on a développé. Alors, sur la Kedusha du Shabbat, c'est-à-dire le principe du Shabbat, comme je vous ai expliqué que Adam Harishon, la seule chose qu'il devait faire, c'est rentrer dans Shabbat avant de manger. Et Hachem lui a pas dit, mais l'explication de la parole que Hachem lui a dit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était pas ne mange pas, tu en mangeras jamais. Non, ça veut dire tu rentres dans Shabbat, et une fois que tu rentres dans Shabbat, tu vas le manger, et tu vas faire kiddush dessus. Mais il lui a pas dit ça avant. Le fait qu'il lui a bâti ça avant, lui, il a interprété ça comme étant, comme si Hachem, il ne le laissait pas créer des interprétations, des développements. Comme si Hachem, il allait le bloquer dans un système où il allait être complètement dépendant et complètement sclérosé, il n'allait plus pouvoir bouger. Mais c'est pas comme ça, c'est pas vrai. Hachem, il lui a pas dit. Hachem lui a dit, regarde, cet arbre-là, tu ne manges pas, c'est tout. C'est un arbre de développement de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas que tu touches ça. Enfin, si tu touches ça, tu vas mourir. Mais dans l'état où tu es maintenant, mais une fois que tu vas entrer dans Shabbat, ça y est, tu peux le manger. Au contraire, ça devient une mitzvah. Donc on voit ici le lien de la Kedusha de Shabbat. C'est pour ça que celui qui garde Shabbat, alors on lui pardonne toutes les fautes qu'il a faites. Parce que toutes les fautes, c'est que des fautes d'interprétation, c'est tout. Toutes les fautes, c'est juste que le développement en image de la compréhension, et elle a été déformée, c'est tout. C'est là où la personne, elle est fautive. Maintenant, quand elle rentre dans Shabbat, elle retourne vers l'image originelle. C'est pour ça que ça s'appelle un hôte Shabbat, ça s'appelle un signe. Un signe. Vous savez, on a parlé plusieurs fois, mais Rabbi Nachman, il a raconté la moisson de la folie. Il a dit que maintenant, il y avait un ministre qui a dit à son roi, voilà, et ils ont dit cette année que la moisson, elle va rendre les gens fous. Le blé, celui qui va en manger, il va devenir fou. Donc il faut faire attention qu'on n'en mange pas, nous, pour qu'on puisse continuer à diriger le pays. Alors le relais lui a dit, si on n'en mange pas, alors c'est nous qui vont prendre pour des fous. Donc on est obligé d'en manger. Seulement on va se faire un signe, quand on va voir ce signe, alors on va savoir qu'on est fou. Alors maintenant, en quoi ça va servir qu'il va savoir qu'il est fou? Quand il va le voir, il va se rappeler qu'il est fou. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, on va faire un signe. Le signe, c'est comme les tefilines. On dit, les tefilines, c'est un signe, c'est un hôte. Shabbat aussi, c'est un hôte, comme on avait au début. C'est pour ça qu'on ne met pas les tefilines le Shabbat. Parce que Shabbat lui-même, c'est un signe. Qu'est-ce que veut dire, c'est un signe? Ça veut dire, c'est la vérité en image. Ce qui va devenir fou, c'est l'interprétation. Mais la vérité en image, elle va rester là. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nachman, ce qu'il nous donne, c'est la vérité en image, de manière qu'elle puisse rentrer dans notre cœur, sans passer par les labyrinthes de notre cerveau, que Béhémet, il est devenu fou, par le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que ce qu'on a passé, les exils qu'on a passés, la folie qu'il y a dans le monde, de la matière, ça nous a rendu fou, Béhémet. Mais ça a rendu fou notre cerveau, c'est tout. Mais notre cœur, il n'est pas fou du tout. Notre cœur, il est fou de la consommation. C'est-à-dire qu'il faut le nettoyer, il faut un petit peu lui faire un ravalement de façade, il faut l'arranger un petit peu. Mais le cœur lui-même, il peut recevoir des images de vérité qui sont parfaites. Parce qu'il va pas mettre son grain de sel dedans. Il va prendre la vérité telle qu'elle est, elle va se fixer dans le cœur, et ça va lui servir de repère.
c'est-à-dire qu'il ne va plus du tout réfléchir, comme si quelqu'un il a un GPS en lui, un GPS de la vérité, que là où il va, on lui dit tourne à droite, ne va pas chez celui-là, ne fréquente pas telle personne, avance, prends ce travail, ne va pas habiter là-bas, va maintenant, sans arrêt, il a un outil qui lui fait des tris. Pourquoi ? Parce qu'il a la vérité dans son cœur. La vérité, elle est fixée dans son cœur. Alors maintenant, son cerveau, il ne l'utilise pas du tout, il n'en a pas besoin. Il l'utilise pour développer après, mais il n'en a pas besoin pour se diriger. Pour se diriger, il utilise l'image qu'il a dans le cœur. Ça, c'est le principe du Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat aussi, on a vu, c'est le principe de la vue. Que Shabbat, le Zohar dit, Shabbat, c'est Shin Bat. Shin Bat, ça veut dire, Shin, c'est trois branches. Le Shin, il a trois branches. C'est valeur numérique de 300, le Shin. Il a trois branches. Les trois branches, c'est les Tlat Gavin des Hena. C'est les trois couleurs de l'œil. Et Bat, c'est la pupille. Bat, c'est Bat Aïn, c'est la pupille de l'œil. C'est-à-dire que maintenant, avec les trois, Re'e, c'est écrit Re'e, qu'Hachem l'atteint l'Achem et ta Shabbat. Regardez, parce que Hachem, il vous a donné le Shabbat. C'est écrit aussi Ta'amu Ur'u. Goûtez le Shabbat et voyez. Pourquoi tous ces mots de voir, voir, voir? Parce que le Shabbat, c'est pour voir. C'est pour voir. La semaine, on est comme des aveugles, on ne voit rien du tout. Parce que le monde, c'est un monde de fous. C'est-à-dire que dans la semaine, vous vivez dans un cinéma. Et le Shabbat, vous sortez du cinéma, c'est tout. Vous allez dans la réalité de la vie, qui est de vivre avec Hachem. Mais dans la semaine, on est dans des films. Et on doit se rappeler tout le temps, tout le temps. Et il faut faire des entractes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans les salles de cinéma 24 heures sur 24. Il faut faire des entractes. Tu sors faire un peu de baudou, tu t'aères un peu la cervelle, parce que sinon, ça te rend fou. La semaine, elle te rend fou. Alors le Shabbat, c'est lié avec le principe de l'œil. Voyez, Hachem vous a donné le Shabbat. T'as amour ou goûtez et voyez. Goûtez le Shabbat et voyez-le. C'est-à-dire que maintenant, voyez. Qu'est-ce que ça veut dire, voyez? C'est-à-dire regardez la vérité, vivez la vérité maintenant. Et quand vous allez vivre la vérité, vous n'aurez pas de difficulté à retourner dans la semaine avec des repères de vérité qui seront absolus. Et ces repères de vérité, vous ne lanceront jamais vous tromper. Jamais. Vous tromperez jamais. C'est ça le da'at, qui s'appelle le da'at. Le da'at, c'est la conscience d'Hachem, qui s'appelle aussi Rachidi, Ruach HaKodesh, c'est le souffle divin. C'est ça le souffle divin. Le souffle divin, ça veut dire que maintenant, vous avez en vous des images de vérité telles que Hachem, il a conçu la chose. C'est-à-dire cette chose-là, vue par Hachem, elle est comme ça. Donc quand vous avez cette image-là dans votre cœur, vous avez Ruach HaKodesh automatiquement, ça veut dire que vous avez un souffle divin qui vient en vous. Ce souffle divin, ça veut dire que c'est la possibilité de voir clair dans l'obscurité. La possibilité de voir dans un monde d'aveugles. Parce que les gens, ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés de quoi? Des interprétations différentes qu'ils ont données de la vie. Regardez quand même, si les gens, ils étaient un peu intelligents, ça fait 5776 ans bientôt qu'on traîne dans ce monde-là. Pas comme j'ai vu un article cette semaine, où je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'ils ont découvert une planète qui a 300 milliards d'années. Et que ça change beaucoup de choses, parce qu'avant, ils étaient arrivés qu'à 290 milliards d'années, et maintenant, ça remonte à 300... Et c'est normal, c'est pas eux qui payent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, qui 300 milliards d'années. D'où ils sortent ça? Ben, c'est écrit, ça y est, il y a une date. C'est comme la date de naissance. Vous avez votre date de naissance, vous n'allez pas dire « je suis né il y a 200 milliards d'années », il n'y a personne qui va vous croire. Mais ça, c'est pareil, c'est écrit, la date de naissance du monde, c'est 5775 ans. Et dans quelques jours, 76. Ça y est, c'est pas la peine de parler. Ça aussi, c'est des interprétations. Mais maintenant qu'on commence les élucubrations, à mon époque, il y avait Antoine. Antoine, il avait fait les chemises à fleurs. Il faisait les élucubrations d'Antoine. Les cheveux longs, les chemises à fleurs. Il dit, allez, on est parti pour les élucubrations. Chacun, allez-y. Qui dit mieux? 300 milliards d'années. Non, alors on a trouvé un fossile qui a 25 millions d'années. Mais regarde, c'est déjà fait. C'est terminé, on n'a pas besoin de toi, on a la date de la création du monde, Hachem nous l'a donné. Tu sais, quand je suis né à la mairie, on m'a donné, je vous rappelle à la mairie de Chambéry, quand j'ai mon fils Nachman qui est né, alors à l'époque c'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire les noms, ils étaient un petit peu, je sais pas, ils embêtaient un peu les gens, vous ne pouvez pas donner n'importe quel nom. Alors quand l'enfant est né,
Alors la secrétaire, l'employée de la mairie, elle passe et il faut donner le prénom tout de suite. Et donc elle passe déjà avec le livret de famille, avec l'heure où il est né, la date, etc. Alors on dit le nom. Alors c'est quel nom? Alors on dit Nachman. Il dit ça s'écrit comment? Nachman, N-A-C-H ou H-M-A-N. Elle dit ah non, là ça va pas, c'est pas un nom, vous voulez un nom, vous prenez. Je lui dis madame. Ça, c'est le nom. Et si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas de nom, c'est tout. N'écrivez pas de nom, c'est tout. Mais le nom, c'est celui-là, c'est tout. Il ne va pas en avoir un autre. Ah bon, d'accord, monsieur, des trucs et tout. Okay, non, c'est pas... Ça, c'est toute la vie, c'est comme ça. Tous les gens, ils jouent sur ça. Sur que les gens, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Mais si vous êtes sûr de vous, il n'y a personne qui va vous arrêter dans votre vie. Si vous avez une image dans votre cœur de la vérité, personne ne vous arrêtera dans votre vie. Personne. Les gens, ils utilisent, quand ils font comme des croche-pieds, ils utilisent l'endroit de la faiblesse de la personne et ils le font tomber avec ça. C'est ça qu'ils exploitent, les gens. Ils exploitent Amalek, c'est Gamatria Safek, le doute. Le doute, parce que le doute, ça crée des différentes possibilités. Différentes possibilités. Par exemple, voilà, Rabbi Nachman, il dit, il faut venir chez moi à Rosh Hashanah, que tout le monde soit là. Ok? Il dit, c'est-à-dire ceux qui sont proches de lui, il dit, vous savez très bien combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah. Mais il n'y a pas que vous, le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah, d'accord? Celui qui vient à Rosh Hashanah, je répare entièrement, même des choses que je ne peux jamais réparer, à Rosh Hashanah, je répare. Celui qui vient à Rosh Hashanah, il peut être tranquille qu'il est entièrement réparé à tous les niveaux. Voilà, il y a des paroles comme ça, des paroles fortes. Maintenant, pourquoi on n'est pas 1,5 milliard ici? Pourquoi on n'est que 40 000 ou 50 000? Parce que ces paroles elles-mêmes, elles n'amènent pas l'image dans le cœur pour que les gens ils fassent leur valise et prennent l'avion, c'est tout. C'est-à-dire que chacun, il va vous inventer quelque chose et dire « je ne peux pas ». Pourquoi? Parce que cette année, ma belle-mère, elle veut pas venir garder les enfants, donc ma femme ne peut pas, truc et tout, ok. Ok, l'année dernière, il y avait une dame et que son mari avait l'habitude de venir à Rosh Hashanah, tout ça. Cette année-là, il n'est pas venu. Ça fait des années qu'il venait. Et après dans l'année, bon, bien sûr, il y a des problèmes, etc. Alors, on m'a appelé en pleurant et je lui ai dit, regardez, pourquoi vous laissez pas votre mari, vous ne l'avez pas laissé venir à Rosh Hashanah? Je dis, il ne faut pas jouer avec ça. Vous croyez qu'on est en train de s'amuser, qu'on va là-bas pour faire du plaisir? On est là parce que le rébé, il a dit, il faut venir. Il ne faut pas jouer avec ça. Il dit, oui, mais voilà, on ne pouvait pas, il y avait une naissance, et trucs et tout. Je dis, mais votre mari, ce n'est pas une babysitter. Il vous a proposé, il vous a des moyens, bon rachat, il vous paye 3 babysitters, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, les gens, ils ont des degrés de priorité dans les choses. Ils ont des degrés, c'est comme ça. Dites maintenant que vous devez voyager en Ukraine parce que vous avez un business où vous allez peut-être gagner 1 million d'euros. Et il te dit, c'est pas un grand Rosh Hashanah, reste là-bas toute l'année, oui. Tu peux passer l'année là-bas. Il y a pas, c'est quoi? Si tu vas me ramener 1 million d'euros à la maison, que je peux changer les meubles et la cuisine et avoir un congélateur électronique. Mais vas-y, tu passes toute l'année là-bas, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ces images-là, elles ont pris les clichés, ils ont pris des priorités. Et maintenant, quand on dit la réparation de l'âme, la réparation de l'individu, tout ça, ça ne veut rien dire pour les gens. Ils ne savent même pas de quoi on est en train de parler. Et ils disent, mais attends, mais tu sais que tu vas aller dans un trou, tu sais que tout le monde passe par là, tu sais que tu vas pourrir dans la terre, etc. Tu ne te demandes pas un peu ce qui va se passer là-bas? Tu n'as pas un rapport avec ça? Non. Les gens, ils ont des clichés sur l'immédiat. Alors, bien sûr, le cliché le plus fort qu'il y a, c'est l'argent. Alors, quand vous dites à quelqu'un, je vais là-bas pour gagner de l'argent, alors il va te dire, ah, vas-y, il n'y a pas de problème. Alors, tu peux y aller, tu peux rester au Shana, Kippour, Sukkot, Hanouka, il n'y a pas de problème. Tant que tu veux, tu peux rester en Ukraine. Pourquoi? Parce que l'image des paroles, c'est flou. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils interprètent les choses. Mais si vous prenez la parole du maître de la génération comme étant de la parole absolue, Rabbi Nachman, il ne fait pas du relatif. Rabbi Nachman, il dit, j'ai terminé et je vais terminer. J'ai gagné et je vais gagner.
Pourquoi? Parce que ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est terminus. Tout le monde descend. Vous n'avez pas besoin de rester. Il va plus, le bus, il va plus avancer. Alors descendez tout de suite, c'est terminé. Il vaut mieux se plier tout de suite parce qu'il n'y aura rien d'autre après. Il a dit après moi, il n'y aura plus rien, c'est fini. C'est la dernière interprétation du monde. Il n'y en aura plus d'autre après. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de jouer avec ce qu'il dit. Ce qu'il vous dit de faire, il faut le faire. C'est tout. Il n'y a pas de... Si vous voulez réussir votre vie, c'est tout. Vous écoutez ce qu'il vous dit de faire, vous êtes tranquille, ça y est. Il va se graver dans votre cœur une force de vérité qui va vous permettre de traverser toutes les épreuves du monde. C'est-à-dire, après, ça y est, vous faites que avancer, 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 c'est tout. Avance avec Hachem en toi, comme il me disait le petit Shmuel Layani à la Vachalom. Il me disait, avance avec Hachem en toi, c'est tout. Ne te pose pas de questions, avance avec Hachem en toi. Tu as Hachem en toi, avance avec lui, c'est tout. Ne te pose pas de questions, pourquoi tu te poses des questions? Avance, c'est tout. Avance, prends les images et avance. C'est ce que je vous ai dit, Rabbi Nathan, il s'est fabriqué un cerveau avec les paroles du Rebbe. Il a jeté son cerveau, il l'a remplacé, il a fait un changement, un échange standard du cerveau. Il a mis le cerveau du Rebbe dans sa tête, c'est tout. Et ça marche. Il a fait une greffe du cerveau. Il a pris toutes les paroles de Rabbeinu, il s'est construit le cerveau avec ça. Et après, Rabbi Nathan lui-même, il a dit sur lui-même qu'il était le cerveau du monde. Il a dit, je suis le moir de l'humanité. Il a dit, je suis le cerveau de l'humanité. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il avait dans sa tête. Quels éléments il a rentré dans sa tête, Rabbi Nathan. Alors c'est ça, la parole divine, c'est de cette parole qu'on parle ici. C'est de transformer la parole dans l'image qui lui correspond. Maintenant, par le fait que quelqu'un se déconnecte, même pendant la semaine du travail, et il fixe un temps pour la Torah. Et que maintenant, même au moment où il travaille, sa pensée elle est attachée à la Torah et à la Kedusha, à la sainteté de la Kedusha du Shabbat. Et puisque maintenant, quelqu'un, pourquoi il travaille, c'est pour qu'il puisse gagner de quoi recevoir Shabbat honorablement. Aussi pour pouvoir donner la tzedaka aux talmidei chachamim, aux érudits en Torah. Que eux, dans la semaine, ils s'appellent Kedushat Shabbat, ces gens-là, par rapport aux autres gens, puisque c'était des gens qui ont consacré leur vie à vivre la Torah. Donc c'est des gens qui se sont séparés de beaucoup de modes de vie qui sont proposés dans ce monde. On vous propose ici beaucoup de modes de vie sur Terre. Eux, ils ont choisi le mode de vie qui correspond à la parole divine. Donc maintenant, quand lui leur donne la tzedaka, il s'inclut dans ce mode de vie aussi. Et à ce moment-là, il va repousser le côté du Ketz Kol Basar, le côté qui veut faire une fin de toute chair, c'est-à-dire le côté de l'extermination de l'homme, de la destruction de l'homme. Il va le faire se soumettre sous la parole de la Kedusha. C'est-à-dire, c'est la parole de Kedusha qui va prendre le dessus. Qu'est-ce que c'est la parole de Kedusha? Comme on a vu, c'est-à-dire que il va pas perdre une seconde le lien avec Hachem. C'est-à-dire, le lien conscient avec Hachem, il va être permanent chez lui. Donc, avec ce lien permanent, alors, même dans la semaine, il n'a rien à craindre parce qu'il est toujours branché avec Hachem. Ça s'appelle le dibour de Kedusha. C'est-à-dire, ça s'appelle la parole sainte. C'est-à-dire, c'est la parole sainte, c'est la parole qui amène avec elle l'image de la vérité. C'est ça qui s'appelle la parole sainte. Venim takim adinim. Et là, il y a adoucissement de la rigueur. Venim shachim chassadim gam az. Et il y a des bontés qui vont venir du ciel, de la miséricorde, beprinat, moshrin alav chut shel chesed bayom. Comme c'est écrit qu'on amène sur lui un fil de bonté dans la journée aussi, comme c'est écrit, comme on a vu dans la Torah. C'est-à-dire que ce fil de bonté, c'est qu'on lui permet de rester connecté, même en période d'obscurité. C'est-à-dire que maintenant, dans le jour, la journée, c'est une journée où il y a de la lumière, mais Béhémet, c'est une journée où il y a beaucoup d'obscurité, parce que
La journée, elle est obscure. Pourquoi elle est obscure? Parce que vous pouvez interpréter de différentes manières la vie. C'est-à-dire, vous avez différentes manières d'interpréter les choses. Donc, quand vous avez différentes manières d'interpréter les choses, vous pouvez vous laisser embarquer dans beaucoup, beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire, on peut vous embrouiller beaucoup parce que dans la journée, il y a beaucoup de choses à voir. Mais dans l'obscurité, qui est la vraie lumière, vous devenez obscur par rapport à tous ces choix-là de bêtises. Ça ne vous intéresse plus. Alors, les gens, ils vous prennent pour quelqu'un d'obscur, d'arriéré, etc. Mais ce n'est pas vrai, c'est eux qui sont obscurs. Parce qu'ils sont en train de chercher toute la journée des nouvelles choses pour créer des loisirs et des occupations, etc. Alors que, bon, Hachem, on n'a pas besoin ni de loisirs, ni d'occupations, ni rien du tout. On est occupé tout le temps à faire ce qu'il y a pour faire avodat Hachem, pour servir Hachem, pour diffuser la parole d'Hachem. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Alors maintenant, quand vous rentrez dans une journée, vous avez besoin d'un fil, de connexion qui vous protège dans votre journée, de manière à ce que vous ne fassiez pas attraper par tous les marchands de paradis, comme on dit, qu'il peut y avoir dans le monde, tous ceux qui vont essayer de vous vendre des bêtises dans ce monde. Donc maintenant, quand quelqu'un, dans la semaine, il a eu le mérite de rester connecté à Hachem, c'est-à-dire au Shabbat, à Hachem, dans toute la semaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé dans le panneau de l'imaginaire qu'il y a dans la semaine, parce que comme il a déjà un langage imagé dans son cœur qui lui permet de lutter contre les fausses images qu'on va essayer de lui donner toute la semaine. Alors après, ça fait que quand il rentre dans le Shabbat, alors il va rentrer avec un autre niveau complètement. C'est-à-dire il va vivre son Shabbat de façon complètement différente par rapport au Shabbat qu'il vivait avant. Parce que, comme c'est écrit, les Chachamim disent, la Gemara dit que si maintenant les Bnei Israël gardaient deux Shabbatot, alors tout de suite il y aurait la Geoula. Pourquoi deux Shabbatot? Parce que le premier, il est fait pour pouvoir s'en souvenir dans la semaine. Et le deuxième, il est fait pour la perfection. C'est-à-dire le premier, c'est pour trouver l'absolu dans le relatif. Et le deuxième, c'est pour rendre tout absolu. C'est-à-dire le premier, c'est la reconnaissance de l'absolu dans le relatif. Et le deuxième, c'est pour transformer tout le relatif en absolu. C'est-à-dire que ce soit définitivement réglé. Que la chose soit, que le monde y soit. C'est pour ça qu'avec deux, ça suffit pour réparer. Donc maintenant, quelqu'un qui garde Shabbat, quelqu'un qui fait Shabbat dans la semaine, c'est-à-dire quelqu'un qui prend le temps, il va faire Hitbo des doutes, il se retire de la course, il se retire de la folie. D'accord? Il va faire Hitbo des doutes. Hitbo des doutes, c'est son signe. Le signe d'appartenance à un autre monde. Il dit voilà, comme il y avait un feuilleton s'appelait Les Envahisseurs, ils sont venus d'un autre monde. Ils étaient venus d'un autre monde. Nous, on est venus d'un autre monde. On est ici, mais on n'a rien à faire avec ce monde. D'ailleurs, Bezrat Hashem, tout le monde va quitter ce monde, le monde venu. On n'a rien à faire dans cette poubelle-là. Ce n'est pas pour nous ici. On est venus pour ramasser des diamants qui sont dans la poubelle, mais quand on va terminer, on va s'en aller. On n'a rien à faire ici. Donc maintenant, quand quelqu'un sait qu'il appartient à un autre monde, alors il va correspondre avec l'autre monde. C'est-à-dire qu'il doit respecter une correspondance journalière avec l'autre monde, puisque c'est ça sa vie. Donc il a un fil qui le lie à l'autre monde. Alors quand il rentre dans la semaine, c'est là où il y a le plus de perturbations, puisque il y a des turbulences, ça bouge beaucoup. Il y a l'argent, il y a ça. On essaye de tirer la personne dans tous les sens. Maintenant, lui, il faut qu'il garde un fil accroché au Lamaba. C'est-à-dire que, comme c'est écrit, les Chachamim disent, on parle de Chevelé Mashiach, on parle de Chevel, c'est une corde, on parle des cordes de Mashiach. C'est-à-dire que les Chachamim disent que la corde, elle va beaucoup, beaucoup bouger quand Mashiach va venir. C'est-à-dire qu'on va beaucoup bouger la corde et il va falloir vraiment s'accrocher parce que la corde, elle va beaucoup, beaucoup bouger et il y a beaucoup de gens qui vont lâcher la corde parce qu'ils ne pourront pas. Qu'est-ce que c'est cette corde? Cette corde, c'est la corde de l'attachement, la vérité absolue. Alors maintenant, le relatif, il va tourner à une telle vitesse que ça va devenir très très dur de rester attaché à quelque chose d'immuable. Parce que le monde, il va fournir une vitesse de consommation qui va
qui va essayer de lutter contre l'absolu de la vérité. Sachez que maintenant que la lutte, c'est une lutte d'interprétation dans le temps. Ça aussi, le temps, c'est une image. Le temps, la valeur de temps, c'est une image de l'individu. Il y a des gens qui ont une image de temps qui a une certaine valeur, des autres, ils ont une image de temps qui a une autre valeur. Mais en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'accélérer au maximum le nombre de bêtises qu'on va pouvoir vous fournir à la minute. C'est-à-dire que si vous avez une ouverture dans votre internet, dans les trucs, vous recevez des messages, des trucs sans arrêt. Parce qu'on veut faire tourner la machine à consommer beaucoup plus vite, parce qu'on ne peut plus rien faire d'autre, c'est que la vitesse, c'est tout. Vous savez, quand quelqu'un il est en train de se battre, alors il se cache d'abord au début. Après, quand on l'a découvert, il se défend. Et après, quand il n'a plus de quoi de se défendre, il se sauve, il court, c'est tout ce que vous voulez qu'il fasse. Et celui qui court le plus vite, c'est lui qui va gagner, c'est tout. Alors maintenant, il court, et les autres, ils lui courent derrière pour essayer de l'attraper. Au début, il était caché, personne ne le savait. Après, on a su qu'il était caché, on a voulu l'attaquer, il s'est défendu. Maintenant, il n'a plus d'armes, il n'a plus rien, alors il court, c'est tout. Alors le monde, aujourd'hui, il n'a plus rien à proposer. La seule chose qu'il peut proposer, c'est d'aller vite, c'est tout. C'est-à-dire qu'il va vous vendre un truc qui vaut rien pour que vous veniez l'en acheter un autre demain. Il vous le vend déjà et ça ne marche pas. Que vous pouvez des fois, le temps que vous rentrez chez vous à la maison, il y a déjà un problème. Il faut retourner dans le magasin. Vous achetez n'importe quoi, ça ne dure pas longtemps. Même les grandes marques aujourd'hui, de tout, dans l'électroménager, dans tout, il n'y a plus de marques, ça ne veut rien dire du tout. Parce que les marques, c'est tout des trucs en plastique, ça ne vaut rien du tout. C'est-à-dire que vous savez très bien que ça va se casser, que la machine va se cacher, que le lave-vaisselle va se casser, que le frigidaire va se casser, que la cuisinière va se casser, le four. C'est normal, c'est pas, il n'y a pas. Et puis réparer, il n'y a plus besoin de réparer aujourd'hui, parce que la réparation elle coûte plus cher que d'acheter un autre. Pourquoi ? Tout ça pour accélérer. Parce que cette accélération, c'est elle qui fait bouger la corde. C'est-à-dire la corde de l'attachement à la vérité absolue, elle va être secouée par la vitesse du monde. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'évolution rapide que les gens ils vont bouger. Donc on a besoin d'avoir des valeurs absolues et que ces valeurs-là, elles ne soient pas du tout tangibles. Il ne faut pas qu'elles bougent. C'est-à-dire que ces choses-là, elles ne doivent pas bouger. Et si ça ne bouge pas, vous pouvez être tranquille que vous allez passer ce que vous avez passé dans ce monde tranquillement. C'est tout, vous allez faire votre passage, vous remplir les poches des bonnes choses que vous avez pu prendre dans votre vie. Et après, shalom à l'Israël shalom. C'est tout. Voilà. Et on se retrouve hasta la vista. De l'autre côté, on se retrouvera là-bas et on commencera la fête. Et pour l'instant, on est ici, on doit s'accrocher. On doit s'accrocher à des choses qui sont immuables. Pour ça, Rabbi Nachman, il donne des choses fortes, puissantes, de manière à ce que la personne, elle ait sur quoi s'accrocher, quelque chose de fort. Tikkun HaKlali, Rosh Hashanah, c'est dit, le Rosh Hashanah, c'est au-dessus de tout. Eitbo Dedut, c'est Ma'ala Eliona, Gdola Minakol. L'Eitbo Dedut, c'est quelque chose de haut, plus fort que tout. C'est le plus grand niveau qui existe, c'est l'Eitbo Dedut. Mon Rosh Hashanah, c'est la chose la plus haute qui ait jamais existé. Jamais existé, c'est-à-dire... Même pour Akadosh Baruch Hu, il dit que le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est un chidush gadol meond. C'est très très grand. Le Rosh Hashanah du Rebbe, il est très grand aux yeux d'Hachem. Le Tikkun HaKlali, c'est la réparation totale. Rabbeinu, il donne que des trucs qui sont très très forts. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas nous donner beaucoup, mais il va nous donner deux, trois médicaments, puis c'est tout. Après, ça y est, on trace, c'est tout. On ne s'occupe plus du reste. Après, on y va, c'est tout. Avec ces médicaments, on s'accroche à la absolu, on avance. Et après, on va prendre des coups, des balles, des trucs de partout. C'est pas un problème. C'est pas un problème, il n'y a rien qui va nous toucher. Et si on s'accroche à ça, rien ne pourra nous atteindre. Rien. Vous pouvez être tranquille, vous pouvez sortir du monde tranquille, comme Rabbi Nachman dit, moi, Hachem, j'ai un engagement avec Hachem, c'est qu'Hachem, jamais il me prend une personne de mes élèves tant que je ne l'ai pas réparé complètement. Donc sachez que quelqu'un qui est venu à Ouman, il ne quittera pas ce monde sans avoir été réparé. Donc vous ne pouvez pas avoir une garantie plus que ça. Après vous pouvez chanter la Marseillaise toute la journée si vous voulez. Si vous avez envie de chanter, faites ce que vous voulez. Ça y est, c'est réglé, votre problème il est réglé. Arrêtez d'être triste et arrêtez de vous angoisser. Arrêtez. N'importe comment quelle sera votre vie, vous sortirez gagnant. Donc ça y est, quelqu'un il est venu à Ouman, ça y est, Baruch Hashem, ça y est. Baruch Hashem, merci mon Dieu, ça y est, c'est réglé. L'affaire, elle est réglée.
Mon affaire, en tout cas, elle est réglée. Maintenant, Bezat Hachem, je souhaite à tout le monde qu'il vienne et que chacun soit zoché de son tikkun. Mais une fois que vous avez pris les paroles de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, il n'est pas en train de faire de la broderie sur la vérité. Rabbi Nachman, il vous donne des vérités qui sont absolues. C'est-à-dire qu'il vous donne des médicaments absolus. Il n'y a pas de relatif dedans. Il n'y a pas de relatif. C'est absolu, c'est tout. C'est des choses qui sont absolues. Il vous dit, voilà, l'aïdbo des doutes, il n'y a pas plus grand que ça. Donc faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Et lui, c'est un très grand sadique. Il vous dit, il n'y a pas plus grand que ça. Ça y est, reste tranquille. Mon Rosh Hashanah, il n'y a pas plus grand que ça. Le Tikkun HaKlali, c'est réparation totale. Donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux continuer à faire des élucubrations? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de ce monde? Ça y est, tu as quelqu'un qui te donne tout. Pourquoi tu ne l'écoutes pas? C'est la seule chose. On dit que dans l'Olam Haba, quand quelqu'un il va arriver à 120 ans là-bas, que devant le tribunal, il va arriver avec la tête qu'il a, il va dire, ouais, j'ai fait des bêtises. Mais tu avais un rave, il s'appelait Rabbi Nachman, pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est tout ce qu'on va nous demander. On va pas nous demander autre chose. Tu connaissais Rabbi Nachman, ou tu savais qu'il fallait aller à Ouman, pourquoi tu n'as pas été? C'est tout. C'est tout ce qu'on va lui demander. Et avec ça, il va voir qu'est-ce que à côté de quoi il est passé. Rabbeinu, il va nous réparer 100%. Tu n'es pas 95 ni 98. 100%. Rabbeinu, quand il commence, il termine. Gamar tive gmor. Rabbeinu termine avec quelqu'un. Il ne laisse pas au milieu. Il ne laisse pas avec des séquelles. Il ne laisse pas avec des broches en fer dans les genoux. Il ne laisse pas avec des appareils dans les oreilles. Il ne laisse pas avec des piles dans le cœur. Il ne laisse pas avec un estomac en plastique. Rabbeinu répare quelqu'un 100%. Donc ça y est, soyez tranquille, détendez-vous. Take it easy. Ça y est, tranquille. Tranquille. Mais sur ce qu'il a dit de faire, il faut pas, là-dessus, il ne faut pas bouger. C'est tout. Le reste, on n'en parle pas. Le reste, fais ce que tu veux. Tu peux étudier la Torah toute la journée, Baruch Hashem, dans la simcha, dans la simplicité, pas de problème, étudie toute la journée, il n'y a pas de problème. Mais sache que ça, il ne faut pas bouger. La Hidbo des doutes, le Tikkun HaKlali, Rosh Hashanah, la Halakha, les choses que Rabbeinu il a plantées comme ça fort, de ça ne bouge pas. Le reste, vas-y, fais ce que tu veux. Ce que tu veux, tu as envie de faire de la tzedaka, tu as envie de créer une crèche pour les bébés, tu as envie de créer un crachoir pour les grands, fais ce que tu veux dans ta vie. Mais ces choses-là ne les touchent pas. Et tu es tranquille. Tu es tranquille, tu as le maître de la génération qui te dit, moi je te répare, moi je te garantis la réparation. Donc, bon, Hachem, qu'on a ça. Qu'est-ce qui peut vous garantir des choses pareilles? Il disait, Zouchachachar le Kabel Beshabbat Kodesh Atzmorat, Touchat Shabbat Beyoter. Et à ce moment-là, la parole, elle sort en chant, en louange et en éloge d'Akadosh Baruch Hu, comme il dit plus tard, c'est-à-dire après, dans la Torah. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'il y a eu réparation de la parole, c'est-à-dire réparation de la communication avec Hachem, à ce moment-là, on va faire que chanter et louer Hachem toute la journée, parce qu'on va comprendre que c'est la seule chose qui est intéressante dans ce monde. Comme il dit dans le Sipurim Asir, dans le conte du Baal Tefila, il dit Rabbeinu que le Baal Tefila, il prenait les gens, il sortait de la ville, et là-bas, il leur apprenait à prier. Il avait un livre avec des prières qu'il avait faites, il leur donnait à prier. Et eux, ils passaient toute la journée dans ça, dans des chants, des shirot, des tishbachot, la Kadosh Baruch Hu. Ils louaient Hachem, ils chantaient pour Hachem, comme David Ameler. Ils chantaient pour Hachem, c'est tout. Il dit, mais Hachem, je veux rien. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux, David? Il veut rien du tout, Je veux te louer ton nom et te faire des éloges, des chants, des poésies pour toi, Hachem, c'est tout. Je veux rien du tout. Je veux rien du tout. Quelqu'un qui a goûté le vin hongrois, quelqu'un qui a goûté l'image de la vérité, il veut rien du tout. Ça y est, il est déjà... C'est déjà... Tout est réglé pour lui. Pourquoi vous voulez qu'il se fasse du souci? Il a fini, les choses sont réglées. Il demande qu'une seule chose, c'est à louer l'Éternel. Mais éprinat mizmor shir le mashabat tov dot l'Hachem. C'est ça qui est écrit, mizmor shir le yom mashabat. Un chant, donc un chant pour un chant, une louange pour le Shabbat. Tov lo dot l'Hachem, c'est bien de remercier Hachem le Shabbat. La guide babochikeh hazdecha, pour dire le matin ta bonté. Prinat boker d'Avraham, c'est-à-dire le matin d'Avraham avinu, ve'munat chabal lelot.
Et ta emouna dans la nuit. Qui gamba laïla chez sultanuta de ketz kolbasa. Parce que même la nuit, quand il y a l'emprise de la fin de toute chair, venichon liamshir az prinata mourin de gdusha bishlemut. Et on ne peut pas à ce moment-là attirer sur nous l'esprit de la gdusha de façon parfaite. Chez imprinat it galut achasadim. Que c'est la révélation du chesed d'Hachem. Afalpiken sechim le chazek et atzmo gamma l'idée emouna shlema. Il faut se renforcer avec la confiance dans Hachem. Alors ici, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire dans quelques mots-là, il dit beaucoup, beaucoup de choses. Alors d'abord, il dit « Mizmor shinu hashava, tov leodot l'Hashem » et après « Emunatra balelot » D'accord, que maintenant, Adam Arishon s'est écrit que quand il a fauté, alors qu'est-ce qu'il a protégé? C'était le Shabbat. Adam Arishon, il a rencontré Caïn. Alors ils ont parlé tous les deux. Alors il a vu que Caïn, il a dit « Qu'est-ce qui t'a sauvé ?» Il a dit « C'est le Shabbat qui m'a protégé. » Alors dans Marichon, il a dit « Mizmor Shelem Shabbat. » Il a chanté « Mizmor Shelem Shabbat. » Ça veut dire que maintenant, le Shabbat, ça lui a donné une vision des choses qui lui a permis de sortir de la logique dans laquelle il s'était enfermé. Parce que lui, du moment où il avait fauté, il s'est enfermé dans une logique de destruction, une logique de culpabilité. Et maintenant, si jamais il n'avait pas trouvé le Shabbat, il serait resté bloqué là-bas. Il n'aurait pas pu sortir. Donc Adam Arishon, il a été très très malheureux d'avoir fauté, puisque pendant 130 ans, il était séparé de sa femme, il était mamash, très très malheureux, très triste de ce qu'il a fait. Alors maintenant, il fallait qu'il tienne le coup. Comment il va tenir le coup? Avec le Shabbat. Le Shabbat, ça lui a donné l'image que Hachem, il est miséricordieux. L'image que tu as d'Hachem, que tu crois qu'Hachem il punit les gens, sache que c'est une image qui est fausse, c'est pas vrai. Hachem, il punit personne. Hachem, il nous aime. Hachem, il a créé le monde pour nous révéler son amour. Donc maintenant, si tu as fauté, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, parce que ça ne change rien à l'amour que Hachem, il a pour toi. Maintenant, reste tranquille et continue à faire tout ce que tu peux faire. Parce que si maintenant, tu commences à te laisser accabler par la tristesse ou par le désespoir, alors tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre parce que l'image que tu vas recevoir de toi-même et de Hachem, elle va être négative. Donc il faut que tu restes dans le positif. Rabbi Nachman, il a dit que même si Chas v'Shalom, il fautait, il n'aurait pas fait tshuva tout de suite. Il aurait attendu après un autre moment pour faire tshuva. Pourquoi? Parce qu'il dit que tout de suite après, la personne, elle est trop imprégnée de culpabilité, de sensibilité par rapport à la chose pour pouvoir faire tshuva. S'il commence à toucher cette chose-là tout de suite, l'effet nauséabond de la chose va être plus grand que la tshuva. Donc pour l'instant, on n'en parle pas, on verra. C'est comme il y a un enfant qui rentre à la maison, il a fait une bêtise et tout. Vous n'allez pas lui tomber dessus tout de suite. Tu dis ça va, tout va bien, allez, viens, assieds-toi manger, tout ça, on s'assoit, alors ça va, truc et tout. Et au milieu de la discussion, quand ça s'ouvre, on glisse ce qu'on voulait lui dire. Mais on va pas, dès qu'il rentre, et boum, on lui tombe dessus. Sinon, on va créer un clash tout de suite. Et on va casser le rapport, la communication, la confiance, tout ça, ça va se casser. Donc, il faut faire attention à tout ce qui peut nous amener à des enregistrements de voix négatives. Il faut faire très, très attention. Les images négatives, les sons négatifs, c'est quelque chose qui fait très, très mal dans le cœur et qu'après, qui fausse la route de la personne complètement. Faire très attention à ça. C'est-à-dire qu'il faut mismorchir le Shabbat, il faut savoir qu'il y a le Shabbat, que le Shabbat c'est absolu, et que ça nous donne la possibilité de chanter. C'est pour ça que Rabbeinu a insisté qu'on chante le Shabbat. Il a dit il faut que vous chantiez le Shabbat. Vous ne pouvez pas rester le Shabbat à que manger, et il faut chanter le Shabbat. Il y a des chants, il faut faire les chants de Shabbat. Même si quelqu'un il n'a pas envie, il faut qu'il fasse des efforts pour faire les chants de Shabbat, parce que les chants de Shabbat, c'est la façon d'exprimer à Kadosh Baruch Hu notre reconnaissance, la joie qu'on a du plaisir de Shabbat. Alors quand il y a Mizmor Shinu à Shabbat, alors Tovor Dot Lachem, si maintenant tu es conscient de la valeur du Shabbat, alors tu vas être modé Lachem, c'est-à-dire tu vas être reconnaissant devant Hachem. Et à ce moment-là, tu vas avoir Emunatra Balelot, c'est-à-dire même dans l'obscurité, tu vas rester avec HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'obscurité, elle ne pourra pas te déconnecter d'Hachem. L'obscurité, c'est tous les mouvements de ce monde qui essayent de déconnecter les gens. Avec la course à l'argent, la course à ça, au plaisir, au loisir, à tout ce que vous voulez. Cette course-là, elle est faite pour déconnecter les gens de la vérité. Donc le Shabbat, c'est une valeur absolue. Et cette valeur absolue, bon, Hachem, elle nous maintient dans le contact avec Hachem. Elle nous maintient dans la vérité avec HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on reste proche d'Hachem tout le temps.
Alors il dit, parce que quand maintenant quelqu'un il rentre dans la nuit, donc il ne peut pas voir qu'est-ce que la nuit, c'est quand le cerveau, l'esprit, il ne fonctionne plus, il ne voit plus clair. C'est-à-dire que la personne, elle n'arrive plus à voir clair. Alors il faut rester au moins attaché à la émouna quand on ne voit pas clair. Il faut rester attaché à la foi, qu'on sait que Hachem il est avec nous. On sait que ce qu'on est en train de passer, Hachem il veut comme ça. Et que pour Hachem, Rabbi Nachman il est avec nous, il s'occupe de nous. Donc il ne faut pas se faire de soucis. Il faut traiter les choses très, très techniquement. Il ne faut pas rentrer dans de l'émotionnel, dans ce qui se passe dans notre vie. Il faut savoir que notre vie est entre les mains d'Hachem. Et ce qu'Hachem veut pour nous, eh ben, c'est ça qu'il y aura, c'est tout. Et Hachem ne veut que du bien pour nous. Hachem, il ne veut pas de mal, Chas v'Shalom. Hachem, il a créé tout le monde que pour nous. Il ne veut que nous faire du bien. Donc s'il y a des périodes qui sont difficiles, c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça, c'est tout. On continue notre travail, c'est tout. Ce que c'est les éléments que le tzaddik qui nous donne, c'est ça qu'on va appliquer. C'est-à-dire que la emouna, les mochin, c'est de galou de chassadim. C'est-à-dire que maintenant, il y a maintenant à voir emouna dans le chesed d'Hachem. Et il y a voir le chesed d'Hachem mamash. C'est-à-dire que maintenant, de voir que le chesed d'Hachem mamash. C'est-à-dire quand on dit qu'un homme, il doit dire tout le temps que kolma de avid achmana, l'état va vide. Que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Pourquoi quelqu'un, il dit tout ce que... Par exemple, on voit pour le massé de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'âne qui est mort, la bougie qui s'est éteinte, le truc. Et après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que chacun de ces éléments-là, heureusement, parce qu'il y avait des voleurs, s'il avait crié, alors les voleurs, ils les auraient repérés, s'ils avaient vu de la lumière aussi, si le coq, il avait chanté. Donc tout ça, il a vu après pourquoi c'était bien. Mais avant, quand quelqu'un, il a son âme qui est mort, et sa bougie qui s'éteint, et son poulet qui est mort, alors il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce truc-là et tout? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la suite de l'histoire. Il n'a qu'une partie de l'histoire. Donc il ne peut pas savoir ce qui va se passer après. Donc maintenant, ça s'appelle l'obscurité. C'est-à-dire que la personne est dans l'obscurité. Parce qu'il lui manque une partie de l'histoire d'elle-même. Nous, il nous manque beaucoup de notre histoire. Il nous manque notre passé et notre futur, qu'on ne sait pas du tout ce qu'on a fait et où on va. On n'a aucune idée. Mais ce qu'on sait, c'est que bon, Hachem, le tzaddik qui s'occupe de nous. Donc tout ce qu'Hachem il fait avec nous, il faut dire que Hachem, c'est que du bien. Hachem, il nous fait que du bien. C'est tout. Maintenant, si on voyait toutes les pièces du puzzle ensemble, alors on verrait l'image, on verrait que c'est ni flamme et ogre. Alors même quand quelqu'un il est attaqué à un tel niveau qu'il perd les repères du cerveau, c'est-à-dire que maintenant, son énergie mentale, elle n'arrive plus à le diriger, parce que la vie, elle l'a secoué par des épreuves terribles. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Entrer dans la émouna. Hachem, ce qu'il fait, c'est bien, c'est tout. Tout ce que Hachem il fait, c'est bien. Moi, je ne sais rien du tout. Moi, je sais que Hachem il m'aime et que Hachem il me fait que du bien. Donc, moi, je fais tout ce que je peux pour servir Hachem dans la joie. Dans la joie. Sans être joyeux, bon, Hachem, que au moins j'ai pris conscience dans ce monde de l'existence d'Hachem. J'aurais pu passer toute ma vie à côté, complètement de la vie. Bon, Hachem, qu'il y en a qui se sont réveillés avant de naître, il y en a qui se sont réveillés quand ils sont nés, il y en a qui se sont réveillés dans la moitié de leur vie, qui se sont réveillés avant de mourir. Chacun, quand il s'est réveillé, à n'importe quel moment, il faut être modèle Hachem, quand on s'est réveillé, que c'est une flamme et onde. Qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'il y a pas le piquen, c'est qu'il y a un chazé katsumo gam az, allez démounach les mains. Il faut savoir que les chassadim d'Hachem, ils ne sont jamais terminés. C'est-à-dire que la bonté d'Hachem, elle est toujours avec nous. Et ça, il ne faut pas la lâcher. Ça, il ne faut pas lâcher ce concept-là. Même quand l'esprit ne marche plus. Et des fois, les coups sont tellement forts que la force mentale, il n'y a plus de force dans le cerveau. Il n'a pas la force de tenir la vérité. Alors, il faut savoir que même quand on est attaqué comme ça, il faut rentrer dans la émouna. Il ne faut pas se laisser attraper par les images qu'on veut nous transmettre. Il faut savoir que les images qu'Hachem nous a données, qu'on voit les effets de la Torah, qu'on voit la grandeur de la Torah, qu'on voit la grandeur des tzadikim. Alors, bon, Hachem, on peut comprendre beaucoup de choses. Quand on étudie la Torah de Rabbeinu, on peut voir la grandeur de ce que c'est un tzadik dans l'Olam. Qu'est-ce que ça veut dire un tzadik dans le monde? Quand on voit le tzadik à Emet, on voit, c'est l'iflam et ode, mais en Hachem. Alors, Be'atzlacha, bonne journée à tous et à toutes, et on se retrouve à l'antenne, et à Hachem demain. Be'atzlacha.